Le petit Max a deux mamans, Claire et Rosie. Et dans ce jardin public, cela ne choque plus personne. Nous sommes à Barcelone. Depuis la loi sur le mariage pour tous, approuvée il y a 7 ans, les regards ont bien changé. Les voisins adorent le petit, ils lui offrent souvent des cadeaux. Il y a même des voisins que l'on connaissait à peine qui nous félicitent. Le fait que tout soit légal, que ce soit réel, tu rentres dans la norme, il n'y a plus tabou. Rosie et Claire se sont mariées il y a 2 ans. Elles ont fait les choses en grand, en invitant les amis et la famille. Une cérémonie qui leur a permis d'officialiser leur amour. Ma mère est très catholique et pour elle, sans la loi, on serait en train de faire quelque chose de mal. Mais comme c'est légal, du coup, elle trouve ça bien. Beaucoup de gens pensent comme elle. Et lorsque Max est né, issu d'une procréation médicalement assistée, une PMA, toutes les deux ont pu inscrire leur nom sur les documents officiels. Ici, c'est écrit « enfant de Claire et de Rosie ». Un cadre légal qui permet aujourd'hui à cette famille de s'agrandir en toute sérénité. Car c'est au tour de Rosie de porter l'enfant. En Espagne, la PMA est également autorisée pour les femmes célibataires ou en couple, peu importe leur sexualité. Depuis cette loi, on a pu constater un changement dans la société. Le nombre de patientes est en constante augmentation. Ces 2 dernières années, par exemple, le nombre de femmes homosexuelles qui ont recours à la PMA a doublé. Rosie et Claire vivent aujourd'hui comme n'importe quel couple marié. En Espagne, depuis 2005, près de 30 000 mariages homosexuels ont été célébrés.